Miss Blonde, vous êtes là. Ravissante comme un astre éclairant l'univers de sa comète. Où est-ce qu'il va chercher toutes tes conneries? Je vous présente Georges-François, mon petit chéri que je viens d'épouser ce matin. Hein, mon petit maman chéri? Bravo, tout est votre bonheur. Bon, alors moi un coup? Allez, buvons, qu'est-ce que tu prends, mon petit lapin? Un verre de Château Pétrus 1951. Mmh. Du château quoi? Mais bien sûr, un Château Pétrus. Il y a. Il sort d'où ce petit con? Il commence à me les briser, la chouchou à sa maman, avec sa gueule à bouffer des savonnettes. Hein. À votre santé, Miss Blonde. Et à la vôtre, Claude François. Vous voulez dire Georges, plaît-il? Pardon? Je voulais simplement vous signifier, mon cher, que je m'appelle Georges François Beauregard. Vous aimez les tableaux champêtres, Frédéric François? Je préfère l'abstrait. Il n'y a pas de tableau champêtre ici. Mais si, dans l'arrière-salle. Ah, des tableaux champêtres, mais moi aussi, je veux les voir. Une autre fois. Je vais aller voir ses croûtes. Alors, suivez le guide. Lui, un guide. Mais il est où, mon petit mamour? Il a été attiré par une nature morte. La peinture, ça ne se commande pas. Mais comment ça? On a eu une divergence de goût. Et puis, j'aimais pas sa cravate. J'aimais pas? Bon regard, tu parles d'un blaze. Quelle journée! Quand vous voulez. Mais vous êtes tel un rayon. On fait ça, on prend ça? Ouais. C'est vraiment un bon rien? Attends, j'ai pas fini ma réplique. Ah.